aucune équipe n'a tenu face au club sportif de Bengé durant la saison 2021-2022. Le champion du National Foot 2, gabonais, a été l'attraction de la saison post-Covid-19, créant en 2018 des cendres de l'Olympique de Mandji. Le centre sportif de Bengé est né de la vision de Ravel Mondjo Bulungu. Je suis entré dans le milieu en 2015 par le biais d'un collègue, M. Mbala Hilarion. Il m'avait pris à Sporting en tant que trésorier. Lui étant démissionnaire l'année d'après, l'association m'avait proposé de reprendre en fait les rênes du projet. Bon, c'est ce que j'ai fait pendant pratiquement 2 ans. Et au bout de la 3e année, j'ai voulu créer mon association histoire de m'étaler ma vision sur que j'ai en fait ma vision du moins ce que j'ai pour le football. Et c'est là où je suis parti en 2018, j'ai créé le CSB. J'ai créé le CSB avec toutes les catégories. À travers ce projet qui lui tenait à cœur, l'objectif de Ravel Mondjo Mbulungu était de prendre des jeunes à fort potentiel qui seront formés et qui évolueraient en gravissant les échelons. D'ailleurs, ce projet s'est concrétisé avec le titre de champion du Gabon. Pour moi, en fait, l'objectif du rachat de l'Olympique de Mandji était de créer une vitrine en fait, pour notre projet. Parce que vous savez, jouer en division locale et jouer sur le plan national, l'impact est plus ou moins très différent. Donc du coup, c'est un peu ça en fait, c'est un peu ça. Le but de la création du centre sportif de Bengé, c'était au moins pour étaler ma vision que j'avais du football en fait. Et c'est en partant de Sporting, il y a plus ou moins 11 à 12 joueurs que j'avais amenés avec moi. Et ce sont ceux qui ont fait le pilier de ce projet qui donne aujourd'hui cette force-là. Et ce sont ces joueurs-là qui aujourd'hui permettent de pratiquer le bon football que vous avez tous les week-ends. Cette équipe jeune, mais mature, et qui impressionne par sa philosophie de jeu basée sur la conservation de balles, va ainsi découvrir le palier supérieur, le National Foot 1, après seulement 4 ans d'existence. Un rêve rendu possible grâce à un passionné.